lever les garçons, mais voilà pour une nouvelle vidéo. Vidéo. Donc, mais voilà pour une nouvelle vidéo, les enfants. C'est une vidéo course. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à moitié parce que tu as toujours un pour te casser les plottes. Ok, donc on va commencer tranquillement. Donc là, c'est les courses. Donc, je vais m'y mettre. Ben, je ne promets pas de faire ça tout le temps, mais j'ai pris un peu goût. Donc, on va commencer par un peu de course que j'ai fait en mode action, réaction comme toujours. Les pulpes de tomates, parce que les filles, elles adorent ça. Et c'est un promo chez Carrefour. Donc, il y en a 3 dedans. Et ça coûte 1,28€. Donc, mes enfants consomment beaucoup de sauce tomate dans les pâtes. Et je vais vous montrer. En général, j'achète ce genre de trucs. Mais la marque Carrefour aussi, c'est pas mal. Celui-là, je l'ai acheté chez Intermarché. Et ça coûte 2,30€ ou 2,50€ par là. Donc, c'est ratatouille de légumes bio. Donc, j'en ai pris 2. Mais ma fille Mélanie, quand elle en mange, ou elle va prendre ça, elle va laisser, je vais perdre la moitié. Donc, je lui ai dit, tu ne touches plus à mes trucs. Ça, je l'ouvre quand moi j'en ai envie. OK? D'accord. Donc, on se comprend. Ensuite, donc comme ça, j'ai pris ça. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Elles sont comme ceci. Et ce sont des pots de 400 grammes. Donc, je préfère perdre ça que perdre l'autre truc là. Parce que l'autre truc, c'est carrément pour faire un plat quand tu es pressé. OK? Ensuite, j'ai pris aussi un peu tous les modèles pour eux. Pulpe de la tomate un plus petit aussi pour ne pas gaspiller. OK? Oh, t'as compris? OK. Donc, pour ne pas gaspiller, et ça, je l'ai payé. On va voir. Je n'ai pas écrit le prix dessus. Je n'ai pas écrit le prix dessus. C'est pas grave. Ensuite, celui-là, c'est du maïs doux. J'ai acheté ça. 1,35€ pour les 3. Donc, c'est si les filles ouvrent un pot de maïs toutes seules, hein, pour ne pas avoir gaspillé. Parce que là, elles sont douées pour ça. Hein. Elles n'ont pas encore compris. Elles croient que l'argent, ça sort dans un arbre, on secoue, ça tombe, comme disent les parents quand on était jeunes. Ensuite, 1,52€. Là, c'est les gros. Donc, on mange à plusieurs. Donc, là, c'est les gros. Donc, j'ai pris la marque Carrefour. Elles sont pas mal. Et le maïs qu'il y a dedans est assez gros. Ensuite, j'ai pris des épinards. Donc voilà, je vous dirai le prix tout à l'heure, il doit être sur l'autre. Donc voilà. Haché, pareil pour les filles. Ensuite, j'ai pris ça. Mais j'en ai pris 3 comme ça. Pourquoi j'ai pris 3 comme ça? Tu avais 2 payants et 1 gratuit. Donc, c'était 3,32€ les 2 et j'ai payé 6,64€ les 3. Donc j'ai payé les 2 là et j'ai vu celui-là gratuit. Donc c'est pour ça que j'ai pris les 3 parce que ça faisait un petit moment j'avais pas acheté comme ça. J'ai aussi ce modèle là en bocal. Ensuite, j'ai acheté des produits pour le linge, parce que Lorraine, elle adore tout ce qui est soupline. Je n'achète pas souvent. Donc, j'ai pris les 2 là. J'ai senti qu'on a un bon moment dans le magasin. Ensuite, il y avait d'autres modèles. Il y avait le blanc, il y avait le bleu pâle. Et j'ai payé ça 3,50€ les 2. Donc, celui-là, tu le payes. Celui-là, il est gratuit. D'accord? Et pour les gens qui sont en Guadeloupe, vous aurez comment vous aurez couillé les autres. Vous avez vu comment on pêche cher en Guadeloupe. J'ai acheté de la soupe pour le boulot. Donc, ça, c'est de la soupe en poudre à boire vite fait. 1,67€. Mais je crois qu'ailleurs, il est moins cher. Là, c'est chez Carrefour. J'ai acheté aussi des miettes de thon pour Mélanie. Parce qu'elle est végétarienne. 1,93€ à la tomate. Donc, c'est pêché à la canne. Je sais pas si j'y crois, mais bon, c'est pêché à la canne. Donc, ce sont des toutes petites boîtes comme ça. Donc, voilà. Bon, le problème, c'est que si tu l'as dessus dans l'emballage, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Donc, je vais lui dire que c'est du thon à la tomate avant de jeter le carton. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des packs parce qu'on avait des packs, mais pas beaucoup.
torsades. Moi, j'aime pas les pâtes, hein. Mais quand c'est des torsades, j'arrive à les manger plus facilement. Donc, j'ai pris torsades qui me coûtaient 1,52€. Donc, voilà. Ensuite, farfalle, 1,53€. Donc, c'est 1 kg, hein, les deux paquets. C'est des pâtes papillotes. Papillotes, si j'appelle ça, papillon, papillotes. Ensuite, j'ai acheté ça pour Mélanie. Bon, on va tester. Hein. Elle va tester. C'est du saumon en boîte. Du saumon en boîte naturel. Donc, voilà. Parce que vous savez, des fois, quand je ne suis pas là, elles sont toutes seules. Si elles doivent manger, son manger la midi ou voilà, quoi. Ensuite, j'ai acheté des lardons. Et j'ai acheté ça pour Bibi et Nanou. C'est du blanc de poulet. Et c'est en promotion. Je ne me rappelle plus le prix, mais c'est en promotion. Il y a deux paquets dedans. Et c'est en ce moment chez Carrefour. Le soir, quand vous sortez à Carrefour, il est tard. Ils ont fait une annonce. Ouais, tu deviens bien quoi là? Mince. Ils font des annonces dans le micro pour te dire qu'il y a des promos. Donc j'ai pris ce poulet là. Donc il était à 7,15€. J'ai payé 3,70€. Donc voilà. J'ai mangé juste une cuisse hier soir parce qu'eux, ils avaient déjà mangé. Donc voilà, regardez. Donc, Bibi avait mangé avec Nanou. Moi, je n'avais pas mangé. J'avais été faire mes courses vite fait. Et ensuite, j'ai d'autres choses là. Oui, je me suis trompée. Madame n'est pas contente. J'ai pris ça comme céréales. Mais bon, elle m'a dit qu'elle va le manger. Normalement, je prends le paquet marron. Mais il n'y en avait pas. Donc, j'ai pris ça. Donc, mieux vaut ça que rien. OK? 2,80€ pour ceux qui sont habitués. C'est le même prix. Je trouve que ça va. C'est abordable. Donc, il sortit vous fait paquet là et Karen compte que paquet là à la moitié. Regardez. Oh my God! Mais c'est bon, c'est comme ça. Ensuite, pour la Mélanie, j'ai pris ça. Comme la dernière fois. Donc, j'ai pris ça. Et ça coûte 3,56€. OK? Ensuite, par contre, je vais prendre le sac sans tomber. Comme vous avez vu, par rapport à ma dernière vidéo de course, oh, j'ai un peu rangé derrière, changé le style. Les étagères et les trucs que j'ai baignés. Des œufs. Voilà. 3,31€ pour les 20 œufs de Carrefour. Elle tombe à terre là. Hein. Les gâteaux. Habituel, 1,56€ chez Carrefour. Des fois, c'est moins cher. Toujours au raisin. Et j'ai pris celui-là en plus pour Mélanie. 1,45€. Parce que de temps en temps, elles veulent du sucré. Bon, voilà quoi. C'est des enfants qui changent d'avis tout le temps. J'ai acheté de la sauce tomate ici, 1,19€ ou 1,14€. Voilà encore. Et les. C'est 70 centimes l'épinard de tout à l'heure que je vous avais dit des enfants. Ensuite, on a des épinards en grosse boîte que j'ai pris parce que là, c'est juste pour dépanner pour eux. Et là, c'est 1,11€ le gros. Parce que je ne veux pas qu'elles ouvrent le gros pour elles tout seules parce qu'après, je perds le truc. Donc là, c'est encore tout ça. Je vais essayer ça. Hein. Je ne sais pas si j'ai déjà goûté ça. C'est du presto rouge que je vous ai montré au début. Regardez. Et je ne sais même pas comment je l'ai payé, je n'ai pas mis le prix dessus. Mais bon, ça ne doit pas être cher. Donc, je l'ai pris deux. Encore le paquet de gâteaux. J'ai pris des pâtes comme ceci. Numéro 1, ta numéro 5. Déjà, je n'aime pas les pâtes. Donc, je ne vais pas prendre les gros, gros, gros. J'ai pris des petits, c'est le numéro 1. Donc, les pâtes sont assez fines et pour moi, c'est plus facile à manger. Ta numéro 7 aussi, alors je vous le fais. Ensuite, est-ce que vous connaissez ça? Ça, c'est le grand format. Donc, je vais vous comparer ça avec quelque chose. Donc, voilà. Vous avez tout ça en grandeur. Et vous avez ça après. OK? Ouh, non, non, je me suis fait mal. Mon Dieu, j'ai fait ça tomber sous mes doigts. Et ça, c'est des lentilles cuisinées. 2,99€. 97. Et si j'avais pris celui-là, il était à 2,50 à peu près. Donc, voilà quoi. Comme c'est mieux de prendre plus pour plusieurs personnes... pour dépanner. Et franchement, cette marque-là, c'est la base. Les haricots blancs à la tomate de cette marque-là, c'est le top. De la confiture pour Mélanie. Donc, 1,18€. Je dis Mélanie parce que c'est elle qui le mange.
L'autre ne mange pas la bibi. Et pour moi, moi je prends toujours framboise. J'adore la framboise. Je ne le mange pas, hein. Elle est là. Mais si je fais des crêpes un jour, le jour où j'aurai décidé, je prendrai ça. Je sais que j'aurai ça. Parce que je ne suis pas très... Je ne suis pas très pâtisserie. Voilà. Ensuite, des bonbons pour les filles, pour mettre dans leur truc à bonbons là-haut. Parce que, comme je vous ai dit, elles demandent du sucré. 1,53€. Donc, j'ai pris un truc qui avait plein de mélange. Et ça, ça fait un bail que je n'ai pas acheté des packs. Épinards, carottes et naturels. Depuis longtemps même. Et ça ne coûte pas cher. Ça coûte 0,98€. Dites-moi en commentaire, ceux qui habitent en Afrique, en Belgique, l'Algérie. Je sais que j'ai une abonnée de l'Algérie qui m'a dit il n'y a pas longtemps. Ma belle, un gros bisou. Dites-moi si c'est cher chez vous. La Guadeloupe, je sais si c'est cher chez vous. Hein. Donc, dites-moi les enfants. Donc, les bonbons, je mets là-dedans pour les filles. Faut pas que je me trompe de trop. Je regarde parce qu'il y a encore des petits bonbons dedans. Je me trompe pas de truc. Oui, c'est là-dedans. Je mets les bonbons pour eux. Pour elles, parce que Nani aussi passe dedans. Donc, je verse là-dedans. Des fois, c'est leur cousine qui passe. Leur cousine bébé qui passe. Elle lève toujours la tête pour voir s'il y a des bonbons dans le coin. Donc, voilà. Donc, c'est un bocal que j'ai récupéré d'olive. Il faut que je retire ça. Et voilà. Donc, je laisse ça pour que de temps en temps, quand elles veulent quelque chose de sucré. Ça, l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Hein? Avec modération. Ça, c'était du planteur de Guyane. My God! My God! Trop top. Franchement, trop top. Le truc, il était bien épais. Donc, j'ai bu ça avec Nanou et deux personnes de sa famille que j'aime beaucoup, qui sont gentilles. On a bu ça ensemble. Bon, je sais pas pourquoi je garde la bouteille, mais bon, pour l'instant, je garde la bouteille. OK? Donc, la vidéo, elle est terminée. J'ai pas oublié de vous montrer quelque chose. Non. C'est tout pour la vidéo. Dites-moi en commentaire où vous faites vos courses. Là, c'était Carrefour et un produit de chez Intermarché. C'était ça. Seulement qui était chez Intermarché. Je me suis acheté aussi, c'est pas souvent, oleiller. Aussi chez Carrefour, des nougats. Donc 2,70€ les nougats. J'en ai commandé avec l'école. Ça coûtait 7,40€, mais c'est des nougats, voilà quoi. Ça, c'est des nougats bio, des nougats à la page, quoi. Donc, pour se revendre l'école, j'ai pris des... Mais là, c'était au... chez Carrefour. 2,90€, c'est pas cher. Regardez les filles. Donc, voilà. Donc, dites-moi comment faire déjà aussi. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Ceux qui ont acheté des calendriers. Moi, j'ai craqué mon slip pour les calendriers de l'avant. Oh, my God. My God, my God. Ce sont des beaux cadeaux. Mais je ne peux pas te dire si c'est moi qui je me suis cadeau. Ou si je me le suis, on me l'a offert. Hé, hey, faut te foutre ça, tes choses toutes seules. Hein? Faut que tu achètes tes cadeaux toutes seules. Hein? Faut pas attendre sur les gens. Faut te faire plaisir. Monte ta mort trop vite. OK, les enfants. C'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur ma chaîne Créole. Il y a un concours. Hein? J'ai pas beaucoup de participants. Que deux participants. Deux participants sur la chaîne Créole. Un grand calendrier de l'Avent avec des masques. Que des masques. Les chérus. Bon, moi capati. Moi capati. Bon, je vous dis à la prochaine. Gros bisous et hé hey! Ah. Hey, si tu m'aimes, tu likes. Si tu m'aimes pas, tu likes. Et je te fais un gros bisou. Bye, bye, bye.